Bien, merci. La séance est reprise. Monsieur Guerriot, que j'avais coupé, vous vouliez reprendre Non, je vous remercie. De toute façon, je crois que nous avons beaucoup de, de débats encore devant nous et je pense qu'il est plus raisonnable de, je vous de donner à je mes remercie. collègues la parole. Je vous remercie, chers collègues. Madame Tesca. Eh oui, mes chers collègues, encore une nana qui prend la parole. Si je le fais, si j'allonge la liste des interventions des sénatrices, c'est parce que je considère que la manière dont nous parlons dans cet hémicycle de l'objectif de parité n'est pas acceptable. Je ne sais pas si le texte du gouvernement est loufoque, plus exactement, je ne le pense pas. Par contre, ce qui est absolument loufoque, c'est que en démarrant la deuxième décennie du XXIe siècle, on en soit encore là où on en est pour la représentation et la participation des femmes à notre vie politique. C'est donc un sujet sérieux. Ce que je veux souligner ce matin, c'est que les arguments qui sont employés contre ce texte et plus globalement contre l'objectif de la parité sont des arguments que nous entendions il y a des années. Et lors de la première loi sur la parité du gouvernement Jospin, c'était exactement les mêmes critiques. Alors ce qui est tout à fait loufoque, mes chers collègues, c'est que toutes nos formations politiques aient mis aussi longtemps à s'ouvrir à ce problème, à regarder la réalité de notre société et du partage des responsabilités, même si, pour ce qui nous concerne, à gauche, nous avons enfin pris ce problème à bras le corps. Pour ma part, je salue le volontarisme du gouvernement et du ministre de l'Intérieur en particulier pour avoir inscrit, à l'occasion du débat sur le scrutin départemental, cet objectif, en termes concrets et plus en discours lénifiant, mais avec des mécanismes, je peux très bien comprendre que euh, le, le mode de scrutin proposé soit critiqué. Il peut l'être en raison de ce qu'il bouscule, des intérêts qui vont forcément être impactés. Il ne peut pas l'être au nom des arguments que vous utilisez sur la prétendue insuffisance des candidates féminines pour entrer dans nos assemblées. Je veux dire aussi que tout ce que vous nous dites de la vie départementale prouve que c'est justement une grande avancée que de se saisir de ce principe de parité au niveau d'une assemblée locale dont on connaît le rôle très important pour la vie de nos concitoyens sur le plan social, surtout dans tous les domaines, sur le plan des solidarités. Donc c'est bien là qu'il importe de traduire enfin le principe de parité et d'associer les femmes à la prise de responsabilité dans nos assemblées départementales. Vous ne pouvez plus invoquer leur insuffisance. J'ai entendu, il faut peut-être faire une mesure transitoire et dans quelques temps, on verra si elles ont acquis les capacités. J'aimerais bien, mes chers collègues, qu'on fasse passer à tous les élus masculins des examens de passage pour voir s'ils ont bien acquis toutes les compétences. Enfin, l'un d'entre vous a signalé que même à gauche, certaines femmes euh, n'entraient pas dans cette logique euh, du mode de scrutin binominal qui est proposé. Mais je veux vous dire que lorsque nous avons fait la première loi de, de, de parité, je participais à une réunion au sein du groupe socialiste et, en effet, plusieurs femmes, y compris des très jeunes femmes, était opposé à la loi sur la parité, au thème que vous avez utilisé, c'est humiliant pour les femmes. Eh bien non, messieurs, ça n'est absolument pas humiliant. Et je signale qu'il ne suffit pas de naître femme pour naître progressiste. Merci, madame. Madame Debré. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues. D'abord, je m'exprime effectivement en tant que femme élue et ayant, Madame Tasca, euh, voté contre la loi sur la parité. Je l'assume, je n'étais pas parlementaire, mais j'étais membre du bureau politique avec Michel Alliomarie. J'ai été la seule, avec Michel Alliomarie d'ailleurs, nous étions deux, à avoir voté contre cette loi. Et si je peux m'exprimer aujourd'hui dans cet hémicycle, c'est grâce à cette loi. Je, je, je le reconnais. Ce n'est pas de l'humilité ou de la fausse humilité de ma part. Je ne serais pas ici. J'aurais effectivement été sur la liste des sénatoriales, très certainement, mais certainement pas en numéro 2. Donc je n'aurais pas été élu. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas un clivage gauche-droite. D'ailleurs, qui a mis dans la Constitution cet objectif de parité C'est Jacques Chirac. C'est sous l'impulsion de Jacques Chirac. Avec un gouvernement de Lionel Jospin. Oui, avec le gouvernement de Lionel Jospin. Mais c'est quand même la prérogative du Président de la République de convoquer le Congrès et de faire en sorte que ce soit inscrit dans la Constitution. Dans la Constitution, il est bien dit qu'il faut atteindre un objectif de parité, en aucun cas une obligation. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, euh, il y a eu effectivement des invectives dans cet hémicycle, mais... Nous sommes tous respectueux les uns des autres et je traduirais cela peut-être par des maladresses. N'allons pas aller jusqu'à des invectives outrancières. Euh, je crois aussi qu'on ne peut pas parler de compétences, d'incompétences, de ruralité, d'urbanisme. Pour moi, c'est absolument ridicule. Les femmes, quand elles s'investissent, elles s'investissent totalement. Il n'y a pas de problème de compétences, d'incompétences. Il y a peut-être, et je vais peut-être choquer certains, mais vous savez que j'ai l'habitude de m'exprimer comme j'en ai envie. Il y a quelquefois un problème de disponibilité des femmes, de disponibilité. J'entendais ma collègue tout à l'heure dire qu'elle s'occupait de sa mère, de sa, enfin, j'ai peut-être pas très bien compris, mais de sa famille. Les femmes ont plusieurs vies. Alors vous allez me dire les hommes aussi. Oui, mais dans notre pays latin, on sait très bien que tout ce qui concerne, je dirais, la famille avec un grand F, la, la, la femme est vraiment le pilier de la famille. Elle est mère. Elle est épouse, elle travaille, elle fait beaucoup de choses, et c'est vrai qu'il n'est pas forcément évident pour elle, mais ce n'est en aucun cas un problème de compétence. Pourquoi je ne voterai pas cet article Bien sûr que je suis pour la parité et pour l'objectif de la parité, mais je, trouve pas normal, je ne trouve pas normal qu'on se serve de cet alibi de parité pour imposer un scrutin qui est difficilement lisible qui est très compliqué pour nos concitoyens, qui est un problème de représentativité. Et je ne souhaite pas, et je vais rendre un, un hommage au père de la parité dans la Constitution, je ne souhaite pas que l'on se serve de la parité pour imposer un scrutin abracadabrantesque à mes yeux. Merci Madame Madame Durieux. Merci, Monsieur le Président. Je n'avais pas forcément... Prévu de, de m'exprimer ce matin et euh, il m'arrive assez rarement d'intervenir dans un débat de cette nature, notamment à caractère euh, féministe. Parce qu'il y a longtemps, Monsieur Moret, que j'ai fait mienne une conviction, c'est que pour les femmes, mieux vaut le combat que le quota. Sauf que, sauf que, sauf que. On a du mal à faire euh, évoluer les choses. Et j'aime pas du tout entendre ces mots de gadget, euh, de potiche éventuelle, celles qui seront élues hein, à venir. Vous avez prononcé ce mot. C'est un peu dommage. Ne soyons pas agressifs. J'ai un certain recul pour apprécier la situation. Je suis élu dans un conseil général en canton rural depuis 1985. J'étais l'une des premières, je suis restée plus de dix ans seule, nous n'étions pas nombreuses en France. Je suis élue ici depuis 1992. J'ai un certain recul et ça me donne, si vous voulez, la possibilité de faire un certain bilan et de formuler un certain nombre d'observations. Je vous en ferai grâce. La seule chose, c'est que le mot objectif, quand même, n'a pas de sens, parce que c'est un peu comme dans le western la frontière n'en finit pas de reculer. Il y a 30 ans que j'attends effectivement qu'un certain rééquilibrage s'opère. Et il ne vient pas. Alors c'est le problème de la dualité entre les mœurs qui évoluent ou qui n'évoluent pas et la loi qui vient ou qui ne vient pas. Eh bien les mœurs n'évoluent pas dans notre pays ou bien moins vite que dans certains autres. Et elles n'évoluent pas tout simplement parce que les femmes sont absentes de cet espace dans lequel on fait changer les choses, qui est l'espace politique. Et c'est bien là la problématique. Et c'est pour ça qu'il fallait l'accepter, le principe du quota. Et malgré tout, effectivement, on préfère payer des pénalités. Alors nous sommes un peu tous coupables, et moi je le regrette profondément. Mais voilà, la loi ne va pas s'adapter aux mœurs. C'est la loi qui va faire changer les mœurs. Alors oui, je pense que la réforme que nous vous proposons, au travers de cette formule assez inédite, effectivement, et félicitations à ceux ou à celles qui l'ont imaginée, du binôme a quelque chose de surprenant. Et comme c'est très innovant, ça fait peur. Hein ça fait peur. Et bon, chers collègues, moi je vous respecte, je connais trop les sociétés masculines, voire exclusivement masculines pour ne pas comprendre ce que vous pouvez ressentir et vivre. C'est vrai que cette parité va être traumatisante et à un certain moment va changer profondément la nature des choses. Alors moi, j'ai envie de vous dire faisons confiance aux femmes. Et j'ai envie de leur dire, quand vous serez élus dans des conseils municipaux, ne vous laissez pas enfermer seulement dans la défense de la cause sociale, des politiques sociales. Il y a tellement de choses à faire dans le domaine économique, dans le domaine industriel. Il se trouve que je l'ai présidé aussi en conseil général. Nous n'étions pas nombreuses et nous ne le sommes toujours pas. Mais il y a tant de choses à faire dans tous les domaines, y compris ceux-là, parce qu'ils sont essentiels. Alors, deux mots par rapport à cette réforme, le redécoupage, la proximité, la parité. La parité, le problème sera réglé et c'est très bien. La proximité, j'aimais quand même quelques observations parce que élu de l'espace rural, je rejoins tous ceux qui pensent qu'effectivement on va s'éloigner à partir du moment où on a grandi le processus. La proximité sera traduite par le scrutin, il reste une nominale. nous l'avons souhaité parce qu'il est le scrutin de la proximité, de la personnalisation, de la euh, gestion, je dirais, d'un espace. Mais euh, en ce qui concerne l'élu, incontestablement, il va s'éloigner dans l'espace rural de son concitoyen. Faisons attention, Monsieur le Ministre, cela signifie que vous devrez être sensible aux exceptions qui, euh, que certains vont faire valoir. Elles se traduiront en termes démographiques, elles se traduiront en termes géographiques, elles ont un sens. Et pour finir, parce que je ne reprendrai pas la parole, moi, je pense que ce qui concerne les petites communes et les seuils, et les seuils, euh, 3500, 2000, 1500, 1000, 500, 0, où est le juste seuil moi, je pense que la justice, ce serait de supprimer le seuil. Tout simplement parce que toutes les communes sont, sur le plan du principe, égales, que c'est une forme d'inégalité que l'on pérennise. Et je dirais que c'est un goût d'inachevé, cette réforme, si on ne va pas jusqu'au bout. Merci, M. le Madame Mme Merci monsieur le président mon propos sera relativement bref puisque mes collègues viennent de dire euh, ce que les femmes socialistes euh, défendent dans cette assemblée j'ai dit hier euh, en discussion générale euh, qu'il y avait encore euh, au moins deux bastions deux bastilles à prendre et euh, nous venons d'en avoir une belle illustration ce matin je déplore les propos qui ont été tenus et je n'y reviendrai pas puisque madame euh, euh, L'IPIET l'a dit, mais il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Alors, euh, je rappelle que ce, cette proposition, qui est devenue un projet de loi, émane de la délégation euh, aux droits des femmes de, du Sénat. Elle a été votée à l'unanimité de la délégation, à l'unanimité des membres présents sans doute, mais je vous rappelle que cette délégation elle est composée proportionnellement au, par rapport aux au groupes politiques. Donc donc cette déléga, cette délégation pluraliste a adopté ce texte en 2010 et c'est Michel André qui l'a proposé et qui l'a présenté lorsque nous avions le débat sur le conseiller territorial. Donc je pense que dans cette Assemblée, il y a des gens qui ne doivent pas être très à l'aise avec ce qu'ils ont voté. Il faudrait quand même mettre en cohérence nos votes et euh, à distance. Hein. Ça fait partie des choses qui me paraîtraient normales. Nous mettons en place un nouveau mode de scrutin sous l'obligation de euh, plus de justice dans la population des cantons, dont nous savons et nous l'avons dit. Qu'ils étaient très inégaux en population. Nous voyons bien qu'il y a là l'occasion de répondre à ce qui est écrit dans la Constitution, notre loi fondamentale, pour favoriser l'égal accès des hommes et des femmes aux responsabilités politiques. C'est l'occasion rêvée. Il faut arrêter de repousser sans cesse, comme vient de le dire Josette Durieux, la frontière. Il n'y a pas de frontière. La frontière, c'est la modernité, c'est une société plus juste, plus équitable et plus respectueuse de ceux qui la composent. Et euh, je voudrais dire à Madame Debré que je me réjouis beaucoup de ce qu'elle a rappelé sur le parcours de Jacques Chirac. Malheureusement, elle est partie. Euh, moi, Jacques Chirac, je le connais bien. J'ai commencé ma carrière en 1978 en étant candidate suppléante en Haute-Corrèze, qu'on appelait à l'époque la chiraki Et je me suis engagée au mois de janvier 78, avec un camarade homme, parce que j'avais lu dans un journal F Magazine la phrase de Jacques Chirac qui disait ⁇ Les femmes corréziennes sont dures à la tâche, elles servent les hommes à table, elles se tiennent debout derrière et elles se taisent ⁇ et j'en avais conclu que je ne pouvais pas me taire. Alors le combat effectivement continue. Il faut, à la décharge de Jacques Chirac et peut-être de Madame Chirac, dire que l'année suivante, Madame Chirac était candidate aux élections cantonales dans le canton de Corrèze et qu'elle a été élue et qu'elle est toujours conseillère générale de la Corrèze. Hein Donc euh, elle l'a sans doute aidé à progresser. Si bien que, en effet, cet objectif, il est inclus dans la Constitution, parce qu'il a bien voulu réunir le Congrès à cet effet. Donc, euh, nous pouvons espérer que le combat que vous menez tout particulièrement ce matin est un combat d'arrière-garde, mais moi, je vous invite à regarder devant. Je vous remercie, Madame. Monsieur Longuet. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je, je ne peux pas résister à la tentation, chers collègues, de, de vous répondre concernant Jacques Chirac et la Corrèze. Jacques Chirac avait parlé des apparences. Nous qui connaissons la vie provinciale, nous savons bien que, aussi discrètes soient les femmes de province, ce sont elles qui gèrent les maisons, ce sont elles qui gèrent les budgets et ce sont elles qui donnent les grandes indications à leurs conjoints en contrepartie desquelles les hommes ont en effet des satisfactions d'amour-propre bien superficielles, car la réalité du pouvoir a toujours été dans notre pays chez les femmes. J'en parle d'expérience d'ailleurs parce que je suis marié avec une femme à la tête de quatre filles, et j'ai donc l'occasion au quotidien de vivre leur rayonnante et souriante autorité. Je reviens, je reviens sur l'essentiel. Après tout, pourquoi ne pas dire des choses aimables sur des sujets difficiles je reviens et je me tourne vers le ministre Valls. Ce que je regrette dans ce débat d'aujourd'hui, c'est qu'il nous prive d'une véritable réflexion sur ce que vous souhaitez dans l'organisation des collectivités locales pour notre pays. Il y a en France un lien passionnel entre nos compatriotes et leur territoire, et ce lien bascule entre deux tentations, celle du centralisme qui a fait la force de la France. Et qui lui a permis de résister, que ce soit sous les Capétiens ou sous la République, et cette formidable motivation, mobilisation, ce ressort d'énergie que constitue la passion de nos compatriotes pour leur territoire quand ils en ont la responsabilité, qu'il s'agisse d'une toute petite commune, d'une agglomération, d'une région et naturellement d'un département. Nous parlons aujourd'hui du département. Que s'est-il passé en vérité, les pouvoirs locaux ont évolué et vous avez évoqué en termes peu amènes le conseil territorial. Je trouve ça extrêmement injuste car le conseil territorial était l'aboutissement d'une évolution de bon sens, un bloc communal et intercommunal et d'ailleurs vous ne le contestez pas et vous acceptez le fléchage que nous avons introduit. Et nous pourrions d'ailleurs, dans ce fléchage, j'imagine, introduire pour les, la parité pour la gestion des organismes intercommunaux. Et nous avions imaginé, et cela n'a rien de monstrueux, puisque les Alsaciens vont tenter cette expérience, que la réunion des départements puisse associer les conseillers territoriaux dans la gestion de proximité et se retrouver en réunion régionale pour gérer de grands projets. Que s'est-il passé depuis que la République a institué les départements La commune d'abord, l'intercommunalité ensuite, ont renvoyé les conseils généraux et les assemblées, les assemblées départementales sur des fonctions de défense du monde rural. Tant il est vrai que dans l'action territoriale, les kilomètres carrés comptent autant que les hommes qui les peuplent, ou plus exactement, la façon de vivre sur des territoires compte autant que le nombre que l'on représente sur ce territoire, car il y a des singularités et des spécificités. On peut reprocher aux conseils généraux de ne pas avoir su évoluer et les écarts sont spectaculaires entre les cantons les plus petits et les plus grands, y compris dans les départements ruraux, mais ce faisant, les conseils généraux ont pris en charge une responsabilité qu'ils assument avec réussite, qui est de défendre les espaces ruraux, alors que les espaces urbains se sont constitués progressivement grâce aux communautés d'agglomération et aux communautés urbaines comme des éléments moteurs et d'ailleurs souvent les conseils généraux la loi le leur permet délèguent aux espaces intercommunaux urbains la responsabilité de tel ou tel service votre projet de loi et votre mode de désignation va définitivement priver les conseils généraux de cette attention pour l'espace rural qui ne sera plus portée en charge par quiconque ou par une toute petite minorité, et va introduire une confusion entre les départements et les agglomérations, puisqu'ils vont être élus sur les mêmes bases, dans les mêmes représentativités, et vont sans doute entrer en compétition. Et donc, vous ne vous nous ne donnez pas la clé de votre organisation territoriale d'avenir. Nous en avions une, comme une intercommunalité solidarité département région, vous instituez vous consolidez les trois étages communes, départements et région. vous récusez la coopération des départements et régions et vous ouvrez en germe un conflit entre les départements et les agglomérations puisque les départements auront les élus des agglomérations et auront donc le souci de doubler les agglomérations et ils ne seront pas nécessairement du même avis sur le même sujet je reviens maintenant sur un aspect qui nous divise en apparence. il y a deux modes de scrutin républicain la proportionnelle qui à l'immense mérite premièrement de permettre à des courants différents de siéger dans une même assemblée d'ailleurs beaucoup ici en sont la démonstration et qui permet à l'intérieur d'une même équipe d'un même courant d'organiser une diversité c'est à dire une représentativité. le scrutin majoritaire lui installe la responsabilité il est vrai qu'il ne garantit pas la représentativité. Nous avons des représentants qui ne sont pas nécessairement représentatifs. Ils ne sont en effet pas nécessairement représentatifs du genre, et ça a été, le, vous avez évoqué les chiffres. Ils ne sont pas non plus représentatifs des professions, ni même des âges, qui sont des considérations tout aussi respectables que d'autres. C'est la raison pour laquelle vous êtes dans une situation. D'équivoque et ce projet ne peut pas être satisfaisant. Je terminerai en formulant le vœu que nous puissions approfondir un projet qui appartenait au Parti socialiste et que Christophe Béchu, avec pertinence, a rappelé. Laissons le conseiller général traditionnel responsable et pas nécessairement représentatif dans l'espace rural et organisons dans l'espace agglomération une représentation proportionnelle qui permet par les équipes constituées et par la diversité assurée de renouveler en effet ces assemblées départementales. Merci. La parole est à Monsieur Roche. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Ministre, je ne voulais pas intervenir dans ce débat, bien qu'il soit capital pour un président de Conseil général et un sénateur d'un département rural. Mais j'ai eu envie d'ajouter mon grain de sel. Alors excusez-moi. Alors, comme beaucoup d'entre vous, j'aurais préféré que ce débat vienne après le débat sur l'acte 3 de la décentralisation pour savoir quelles seraient nos compétences. Car le vote du conseiller départemental sera vécu dans la population de façon tout à fait différente si nous sommes toujours, au moins dans le monde rural, la collectivité de proximité par excellence ou si nous ne sommes plus que le bureau décentralisé de la politique sociale de l'État. Sur le plan du découpage, j'ai bien sûr comme vous des inquiétudes, non pas pour des raisons politiciennes, mais on va faire le découpage au moment où toutes les EPCI vont évoluer en se regroupant, à un moment où on parle de l'émergence des grandes métropoles et même des eurométropoles. J'ai aussi une petite inquiétude comme beaucoup d'entre de vous, vous, puisque nous allons élire dans ces territoires, dans ces circonscriptions départementales, deux élus de façon solidaire, un homme, une femme. Qui deviendront totalement indépendants ensuite dans l'Assemblée, ce qui personnellement me pose des interrogations, même si ce n'est pas un problème. Nous respectons parfaitement la parité dans cette Assemblée, je pense, en tout cas moi je le fais, je le dis à ces dames qui sont intervenues. Par contre, je demande que l'on respecte aussi la représentation territoriale et donc la ruralité. Ce respect a eu lieu, il a eu lieu avec l'ancien gouvernement, avec la présentation du projet de l'élu territorial. Et les, ce respect a lieu actuellement avec la présentation de ce scrutin binominal qui élimine la proportionnelle intégrale qui serait la mort des territoires ruraux. C'est vrai. Mais nous allons voter cet article 2 aujourd'hui. En fait, c'est comme si on votait une motion. Ces motions qu'on a discutées hier de façon enflammée, avec puisqu'a même soufflé le vent des globes. Doit-on continuer le débat ou pas Alors, si on doit continuer le débat, peut-être. Mais une des clés de ce débat va être en fait... Pour la ruralité, le tunnel, plus ou moins 20%. Il y a eu, dans les propos que j'ai entendus, des ouvertures, même de la part de Monsieur le ministre, qui a parlé de plus 40 ou moins 40, ce qui pourrait donner satisfaction pour la représentation territoriale. Une satisfaction relative, mais une satisfaction quand même. Mais bien qu'élu ici depuis un an, je ne suis quand même pas un pigeon de l'année. Un perdreau. Mais j'ai employé le mot pigeon. Dans le terme que pour ne pas être...